Sony promet de bientôt redémarrer PlayStation Network avec plus de sécurité. Le géant japonais a suspendu son système reliant ses consoles de jeux de salon à Internet après que des pirates informatiques se soient emparés de données appartenant aux utilisateurs, notamment leur date de naissance et leur mot de passe. Ce dernier devra d'ailleurs être changé. Lors d'une conférence de presse, le numéro 2 de la société Nippon a précisé que l'entreprise n'avait à ce jour reçu aucune information comme quoi des comptes bancaires avaient été utilisés de façon illégale après le piratage. Il a aussi fait part des sincères excuses du fabricant. L'affaire fait bien sûr grand bruit et elle intervient surtout quelques jours seulement après la présentation des nouvelles tablettes Sony. Une mauvaise publicité dont le géant japonais se serait sans doute bien passé.